Salut à tous et à toutes, c'est Reptalion. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite et la fin de Slender's Yarevol. Je pense que cette vidéo sera une transition. Donc, je vais chercher dans cette salle désespérément dans la vidéo d'avant. Et pour tous ceux qui ne l'ont pas regardé, je vous conseille d'aller la voir. Donc, je vous mettrai probablement le lien en fin de vidéo. Avec, je pense, le premier épisode de Slender's Yarevol. Pour ceux qui veulent regarder le let's play qu'ils n'ont pas regardé. Donc là, on doit trouver une dame qui se cache probablement là. Voilà, donc c'est la fin de Slender's Yarevol. J'espère que ça vous aura plu. Et nous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un nouveau jeu. Donc je vais faire une petite transition. À toutes. Donc mon prochain jeu sera The Resident Evil. Révélation. Je compte vraiment faire un let's play de ce jeu. Donc voilà, pour tous ceux qui s'intéressent, je vous conseille de regarder mes vidéos. Que je sors probablement toutes les deux fois quoi. À part les Slender, il y a un moment où j'ai eu un petit décalage par rapport à les DLC de DO3. Mais généralement, je sors généralement toutes les deux vidéos. Tac. Donc, campagne, épisode, facile. Commencer. Craignez la nuit, craignez ce qui n'est pas la nuit. Le bioterrorisme. Le monde vit avec. Vous vivez avec. Des virus sont dérobés, réencodés, utilisés abusivement avec des résultats tragiques. Et à qui êtes-vous censé faire confiance? Aux politiciens qui vendent leur âme pour quelques votes? Aux grands patrons qui trahissent les consommateurs pour du fric facile? Comptez plutôt sur nous. Nous sommes au-dessus des politiques, toujours à surveiller, toujours prêts à faire face à la menace imminente. Nous sommes le rouleau compresseur qui écrase le spectre du bioterrorisme et de la guerre chimique. Ils nous appellent TerraSave. Parce que terre ne rime pas toujours avec terroriste. Salut les gars. Redfield. Ah, salut Claire. Moira, bienvenue au club. À vos ordres, mademoiselle Redfield. Je dois saluer comment? Laisse tomber, on est amis depuis quand? Assez longtemps pour que je te fasse marcher. Claire, tu pourrais... Je t'écoute, Neil. Il se passe des choses à Washington. T'es au courant? Quoi? Le nouveau virus? Arrête. Tu sais que Tricell, c'est fini. Hein? Allô? Hey, c'est la fille de Barry Burton? Oui, Moira a commencé aujourd'hui. Mais sois prudent si tu dois mentionner... Mon père? Oh oui, champ de mine émotionnel. Je vois. T'as fait tes devoirs. T'as beaucoup d'autres atteintes à la vie privée là-dedans. Hey, je dois prendre soin de TerraSave. On a des ennemis.
En tout cas, bonne chance pour l'adresser. C'est pas un cheval. Salut. Oh oh, il a fait quoi cette fois? Enfoiré de Barry! Chaque fois que je lui demande quelque chose, il me rembarre! Je serais même pas là si j'avais écouté... Donc la petite cinématique qui nous explique un peu l'histoire. Donc ils sont contre les bioterroristes. Et il nous montre les personnages principaux, donc Claire et Moira. On va courir. Bonjour. Moira, tu es blessée? Ils t'ont fait mal? Claire, je me souviens que... D'accord, oui, du Claire. Mais qu'est-ce que c'est que ce Arrête bordel? Laisse-moi... Oh, Claire, je veux rentrer à la maison. Ça va aller. On va sortir de là. Bah oui, on va sortir de là. De quoi dans cette cellule? Par contre, je n'aime pas toutes les portes qui s'ouvrent toutes seules. Pourquoi nous? Si je savais. Parce que vous êtes bonne. Oh, que c'est joli! C'est quoi cet endroit? Oh. Faut arrêter de tomber comme ça, monsieur. Ça pourrait faire peur à des gens, par exemple. Allez, on y va. Allez, rien se passe, mais... Tac. Donc là, c'est cassé. Tu as entendu? Qu'est-ce qu'il y a? Moira! Ah, elle est là, ok. Il y a du sang. Je vais regarder, faire un peu le tour, voir s'il n'y a pas des choses à prendre. Comme un couteau par exemple, et une lampe torche. Je m'occupe de l'éclairage. Oui. Et moi je m'occupe des grands méchants s'il y en a. Avec mon petit couteau. Je suis pas Rimbaud, mais... Moi aussi, j'ai mon petit couteau. On peut casser les fenêtres, donc. Voyons, une petite fiche. Et ce qui est bien, c'est que ce jeu est en français. Comme ça, je pourrais comprendre l'histoire. Donc, celles et ceux participant aux expériences doivent respecter les règles suivantes. Les sujets
doivent être surveillés 24 heures sur 24, surveiller leur capteur pour détecter tout changement et consigner son statut toutes les 10 minutes, éliminer immédiatement tout sujet présent à des signes d'anomalie. Donc ça a l'air d'être là où on déteste sur les humains. Oui, c'est un peu glauque dit comme ça, mais bon. C'est la vérité. Ok, donc un petit tutoriel, j'imagine. On peut passer là-dessous. Aide-moi, Moira. Go! Ok. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, ok, voilà. Attention, recule un peu. Oh! Bonjour! Non! Enlève tes sales pattes de moi! C'est un nid à microbes, ces gens. C'est un monstre, tout simplement. C'est un gars qui a été zombifié. Je ne sais trop quoi. Ok, donc on peut pas passer encore. Allons-y. Désolé. Ah. Allez, vite. Pourquoi cet homme court après toutes les filles qu'il croise? C'est bon. Tu vas plaire à personne. Oh. Si je fous les coups dans le vide, ça ne va pas le faire. Donc, il y a une petite plante. Ah, on peut les attraper. Donc, on voit... l'inventaire. Et on voit aussi que Moira en a un inventaire. Oh. S'accroupir. Oui, parce que sinon tu te fais mal à la tête. C'est bon, j'ai trouvé ma démarche. Moi maintenant j'avance comme ça. Je ne sais pas si les bruits sont dans le jeu ou chez moi. Pour TerraSave. Qui a pu faire ça? Bah je pense que c'est le gars étrange. On doit trouver une entrée. Faut ouvrir cette porte. Ok. Oui, en effet, on doit trouver une clé. Elle l'a dit avant que j'essaie d'ouvrir la porte, mais bon. Il faut être taré pour... quelque chose. Ça va d'être pendu comme un cochon. Cette porte est donc ouverte. Il y a quelqu'un qui s'amuse avec nous. On peut ouvrir ça? Ah non, fermé de l'autre côté. Donc on n'a pas le choix. Venir ici. Oh. Il y a un peu de vent, donc les rideaux se claquent. Y a pas des feuilles à lire? Ah si. Non, même pas. Oh, j'ai récupéré un rubis. Un Rubik's Cube. Donc, allons. On peut y aller? Oh. Donc, j'ai trouvé le chemin, j'ai l'impression. Donc on va devoir descendre. Bon, pour récupérer la clé, je pense. La clé doit être par là. Nora, c'est dingue ici.
Allez, donnez-moi la clé. S'il te plaît. Oh, tu as des beaux yeux. La clé a disparu. Tu comptes utiliser ça ? On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Si tu le dis. Notre objectif était de récupérer une clé. La clé a dû se détacher quand le corps est tombé. Elle peut être n'importe où. Il fait trop sombre. Éclaire par ici. Ah. Oh, la lumière. Donc, il est tombé là. Donc, c'est probablement en haut. Ah. Claire, je vois la clé. Impossible de la prendre. Je vais essayer de tirer dessus. Changer de personnage. Donc, apparemment, on peut changer de personnage. Et donc, je pense que chaque personnage aura une utilité spécifique. Wow, 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 wow. Il est interdit de manger le coup, monsieur. Oh. Tu te calmes. C'est quoi ça? Des munitions. Laisse tomber, cours. Mais il est mort. Cours, Moira, cours. Courir, mais où? Ah oui. Oh. Donc apparemment... Je me bats contre des moches. Du moins. J'appelle ça des moches. Des gens tout pas beaux. Donc c'est des moches. Et cette porte là, fermée de l'autre côté, ok. Donc il y a vraiment beaucoup de portes qui ont l'air fermées de l'autre côté. Je sais pas pourquoi. Mais bon. On va jamais s'arrêter. On retourne voir si la clé fonctionne. Je fasse gaffe parce qu'il se peut que les méchants bondissent. On ne sait trop où en fait. Ok, donc L plus rond esquive. Ah, il y a des choses à récupérer. Donc je vais. Oh, pas trop aimé ce bruit. Un méchant tout pas beau. Bah, il est en train de me bouffer. Tu sais, tu n'es pas un vampire, monsieur. Tu es à la rigueur un zombie. Ou en fait, tu m'aimes pas trop ce que tu es. Voilà, je lui coupe les pieds. Comme ça, il pourra pas bouser. Oh. Goy. Tu cherches la bagarre. Bah, il bouge encore. Encore ? Ouais, il était quand même assez résistant celui-là. Donc là, il sort de là, donc il n'y a rien. Ça ne m'étonnerait pas. Oh, qu'il y a un zombie dedans. Oh, oh. Allez. Headshot, bitch. Dans l'œil. Voilà, dans le crâne. Je pense que tout ce qui attaque... Ah, donc il y a de l'air. Tout ce qui attaque, c'est mieux dans la tête. Probablement. Il manquerait plus que ça qu'il y ait quelqu'un derrière la porte. Go. Cours, Forest, cours! Je vais peut-être me soigner parce que. Ah, donc c'était là. Clé de la zone médicale. Allez, go! Oh! Je peux le casser ça? Ah ouais! Il te faut une arme, Moira. Non! Si, tu as besoin d'une arme. Les armes à feu, c'est pas mon truc. Pas après ce qui s'est passé. Merde, j'avais oublié. Désolé. On va te trouver autre chose. Ça va aller, je vais me charger de l'éclairage, t'inquiète. Donc à mon avis, elle avait que quelque chose... Oh.
par rapport à des armes. C'est pour ça qu'elle ne veut pas prendre d'armes. Peut-être même que son père a été tué par une arme. Ce qui expliquerait tout. Allez, on y va. No, bonjour. Pourquoi tu t'en vas? On commence à... Claire. Je voulais faire les présentations. Oui, j'ai vu quelque chose. Oh, il fait beau. Oh, il y a des cellules ouvertes. Oh, avec des choses à casser dedans. Ça m'étonnerait pas qu'il y aura un zombie dedans. Vous avez peur? Vous pouvez me le dire. Parlez. De quoi vous parlez? Ces bracelets changent de couleur lorsqu'on a peur. Donc apparemment elle a peur. Tellement de souffrance. Vous ne connaissez pas la véritable peur. Donc toutes les cellules ont l'air fermées. Bonjour. Je peux ouvrir? Donc, il y a des cellules avec des gens et des cellules sans rien. Donc, je pense qu'il faudrait que je passe par là après. Oh. Donc ça c'est une porte qui a pas l'air verrouillée. Ah si. Oh, comme je l'ai poussé. Je lui ai manqué de respect. On dirait une sortie. Putain de technologie. Oh. Quoi? Ah merde. Commanderai un si tu veux. Regarde cette machine. Il y a un truc de bloqué. Et ça, je peux le casser? Non. Je pense qu'il faut que je récupère parce que il manquait un truc comme ça de l'autre côté. Je sais pas si je vais pouvoir le récupérer. En plus, il y en a que un d'un côté. Donc, à mon avis, je peux activer le mécanisme qui va. Ça marche pas, ça ok. Marche pas. Donc, je... il n'y a pas de courant. Où est l'interrupteur? Il faut que je trouve l'interrupteur. Ok, donc c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah, elle a des munitions, d'accord. Tourniquet. Un bandage qui arrête l'hémorragie. Donc ça, ça pourrait m'être utile. Donc je récupère toutes ces petites pièces. Boîte d'éléments. Ah, donc je pense que je pourrais construire et améliorer des armes, d'accord. Ok, améliorer. Voilà, donc j'ai amélioré le petit gun, il me semble. Et on se retrouvera là dans la prochaine vidéo. Et on va essayer de voir ce que nous veut cette dame. Bon, je vous laisse. À bientôt les amis, tchuss.